Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mundus Bicus pour une autre vidéo sur Conan et Howard parce que en ce moment tout le monde ne parle que de The Witcher à cause de la série. Eh bien, sur Mundus, comme on aime aller dans le sens du courant, je fais donc une deuxième vidéo sur les livres d'Howard. Sauf qu'aujourd'hui, on va faire plutôt une vidéo conseil de lecture pour vous conseiller comment démarrer en fait dans l'univers howardien. Alors, moi j'ai pas trouvé mieux pour la première couverture du livre, l'image est pas très très belle. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, le premier livre que je conseillais sur les trois volumes sortis sur Conan, trois volumes qui regroupent donc toutes les nouvelles, je vous conseillerais de commencer par le troisième. Pour la simple et bonne raison qu'il regroupe les meilleures histoires de Conan. Enfin, la plupart des meilleures nouvelles sont quand même plutôt dans ce volume-là. Donc là vous avez la couverture de la version Bragelonne, qui peut être un peu chère, elle est à 23-24 euros, mais cette trilogie sur Conan, vous pouvez normalement la trouver entièrement en poche. Alors je suis sûr pour les volumes 1 et 2, je sais pas si le troisième est déjà sorti, mais si c'est pas le cas, enfin, ça devrait être très prochainement. Mais vous pouvez les trouver en format poche pour 10-11 euros contre 23-24 pour la version grand format. Donc en fonction de votre budget. J'aurais dit que je vous déconseille d'acheter tout d'un coup, on sait jamais, ça pourrait ne pas vous plaire. Je vous conseille de commencer par ce tome 3, qui est une excellente introduction en fait. Parce que chaque nouvelle peut se lire indépendamment, la plupart des nouvelles ont une sorte de petit récap du personnage de Conan, de petite présentation. Et comme les nouvelles sont complètement éclatées temporellement, c'est pas du tout raconté de manière chronologique, hein. Donc ça se passe à des endroits et des époques complètement différentes, sans aucun ordre. Ça peut se lire comme ça, et donc voilà. Le troisième tome me paraît être le meilleur moyen le meilleur pour aborder cet univers et ce personnage. Sachant que. Alors il s'intitule Les Clous Rouges. Les Clous Rouges dans l'une des nouvelles de ce tome, qui est considérée comme l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, de toutes les histoires de Conan. C'est celle où on trouve vraiment un condensé des obsessions d'Howard projetées à travers ce personnage. Et notamment la civilisation décadente et comment on pourrait appeler ça, l'affrontement civilisation barbare et la civilisation qui conduit forcément à comment dire l'aliénation du genre humain. Donc c'est vraiment les thèmes chers à Howard, comme j'ai dit dans la première vidéo, et on les retrouve énormément dans deux nouvelles de ce tome, Les Clous Rouges et Au-delà de la Rivière Noire, où Conan est mercenaire et aide les troupes aquiloniennes à s'implanter en territoire picte, les pictes étant, je crois que c'est des pictes qu'on voit sur la couverture, je pense, les pictes étant vraiment les sauvages, vraiment sauvages, sauvages, c'est-à-dire qu'ils connaissent même pas vraiment le travail des métaux, ils ont encore des armes en bronze et en pierre, aucune notion d'armure et tout, mais ils sont féroces, impitoyables et ne tiennent absolument pas leur vie. Alors eux, on va dire, c'est le pendant négatif de la barbarie, c'est la sauvagerie. Howard est très imprégné de, comment vous rappelez ça, de la culture anthropologique, archéologique des années 20-30, où on opposait civilisation, barbarie et sauvagerie, où on distinguait les deux. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Les Pictes, c'est des sauvages, par opposition aux barbares, qui est un peu plus, qui est positif, qui est noble dans l'écriture howardienne. Donc, après ce tome, je vous conseillerais le tome 2, et oui, en fait, en sens inverse de parution, mais c'est pas grave. Donc, le deuxième tome, qui est le roman, le seul roman basé sur les aventures de Conan, tout le reste n'étant que des nouvelles ou des recueils de nouvelles, qui est un peu la conclusion de son histoire. Puisque chronologiquement, le roman se passe après toutes les nouvelles, c'est donc la dernière aventure de Conan sous la plume d'Howard. Il y a eu des suites à ce roman, mais qui ne sont pas d'Howard lui-même. Et c'est vraiment, c'est l'apothéose de ses aventures, quoi. On a une histoire épique, de la magie, c'est vraiment de la pure heroic fantasy et un pur plaisir. Et si le premier tome, donc le tome 3, premier tome que je vous conseille, vous a plu, vous pouvez vous jeter sur celui-là. Et en dernier, mais là ce sera uniquement pour les fans, Conan le Cimmérien, le tome 1. Je pense c'est à lire en dernier pour ceux qui ont vraiment accroché aux deux premières histoires, parce que donc c'est un recueil de nouvelles, mais c'est les nouvelles du début. Du personnage, où Howard alternait une histoire sur deux, il se lâchait un peu et faisait quelque chose qui tenait à cœur, et une histoire sur deux, il faisait une histoire plus alimentaire. Donc dans Conan le Cimmérien, il y a de très bonnes nouvelles, et d'autres très. Bah, je dirais pas moyennes, pas très oubliables, un peu lambda, quoi. Il manque la petite flamme, la petite étincelle d'originalité, sans qu'elle soit mauvaise, mais.
Ça vibre pas autant que dans les tomes 2 et 3. Donc voilà, les nouvelles sont d'une qualité très en dents de scie. Et c'est pour ça que c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment accroché aux deux premiers tomes et qui veulent boucler la boucle. Donc en fait, je vous conseille de lire ça dans l'ordre inversé de parution, tout simplement. Ensuite, dans les autres, parce que donc on est sur la collection Bragelonne traduite par Patrice Louinet, ce qui est très important, puisqu'il a tout retraduit les œuvres d'Howard à partir des originaux. C'est pour ça que c'est important que vous vérifiez que vous achetez bien une traduction par Patrice Louinet, que ce soit du Gelu ou du Bragelonne. Il a sorti plus d'une dizaine de tomes. Et là, je vous conseille ceux que je pense être vraiment les plus intéressants. Donc, on a d'abord Les Dieux de Balsagoth. Donc là, pas du tout de Conan, c'est d'autres nouvelles de Howard avec des personnages très variés, et c'est un recueil sur les nouvelles type héroïque fantasy. Donc beaucoup de bagarres, d'aventures, de magie, de fantastique. C'est très sympa, et avec des personnages du coup qui changent complètement hein, d'une histoire à l'autre. C'est vraiment typique là, on est dans le recueil de nouvelles typiques. Ensuite, vous avez Les Ombres de Canaan, qui est le recueil de toutes les histoires de type horreur Lovecraftienne produite par Howard, qui a eu sa période, donc c'est une grosse période Lovecraft. Là, on a vraiment un recueil des meilleures histoires. Et Les Ombres de Canaan est un peu l'histoire phare, c'est pour ça que, comme d'hab, elle donne son titre au livre, même si ce n'est qu'une des 10 ou 12 nouvelles qu'on doit trouver dans le roman. Elle pourrait choquer un peu les gens, on va dire, sensibles à la question. Dans le sens où il y a quelques relents un peu racistes, mais il faut bien se rappeler que ça a été produit dans les années 30, et que dans les années 30, Howard c'est quelqu'un de très light, voire même presque progressiste. L'histoire c'est, pour vous le placer rapidement, c'est un fermier blanc qui retourne sur les terres de ses parents, où d'anciens, je crois que ça se passe après la récession, donc d'anciens esclaves noirs se soulèvent pour massacrer leurs anciens maîtres, tout simplement. Sauf qu'il y a aussi derrière une sombre histoire de voodoo et de sorcellerie, et il va devoir décortiquer tout ça tout en matant la révolte. Donc un sujet un peu sensible, on va dire, de nos jours, mais à remettre dans son contexte. Et les autres histoires sont souvent très très bonnes aussi. Il y a quelques histoires d'Howard qui sont plus Lovecraftiennes que les nouvelles de Lovecraft, j'ai envie de dire, notamment La Pierre Noire, qui pourrait d'ailleurs être aussi elle aussi être l'histoire phare de ce livre. Mais je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse. Et enfin, pour conclure, nous avons Le Seigneur de Samarcande. Je sais pas pourquoi, tiens, sur celui-là, ils ont mis L'Ombre du Vautour en dessous. Donc ça, c'est le recueil des histoires, on va dire, épiques, mais sans fantaisie. C'est surtout des histoires sur les croisades ou sur des aventuriers qui vont se perdre en Orient et en Extrême-Orient. Et donc, pour vous placer par exemple, Le Seigneur de Samarcande, c'est l'histoire d'un chevalier errant et haineux des Turcs qui va se mettre au service de Tamerlan, le Seigneur de Samarcande, et va pour lui latter la gueule des Ottomans. Quant à L'Ombre du Vautour, j'en avais déjà rapidement parlé, c'est l'histoire d'un chevalier allemand et de Red Sonja, qui sont mercenaires, et qui vont tous les deux s'engager dans l'armée qui défend Vienne face à Soliman le Magnifique. Et c'est, je crois, la seule histoire où apparaît Sonja la Rousse, qui sera reprise ensuite, et fusionnée, rattachée au personnage de Conan dans les comics Marvel et dans le film qui sera produit sur le personnage. Mais donc là, rien à voir avec Conan, hein, on est en 1530 et quelques, je sais plus exactement l'année du siège, mais on est aux années 1530 et c'est le siège de Vienne avec canons, mousquets et grosses épées, etc. C'est deux très bonnes histoires, mais il y en a d'autres. Alors ce tome des trois, c'est celui que on va dire, je recommande le moins fortement, parce qu'il y a d'excellentes histoires et d'autres quand même clairement un peu moins bonnes. Là, c'est un peu en dents de scie. Et c'est aussi là où on voit pourquoi Howard a fini par se tourner vers l'heroic fantasy, plutôt que l'épique historique tout court. C'est que dans certaines histoires, il se retrouve un peu à s'en mêler les pinceaux au niveau de l'historicité et à avoir quelques problèmes de cohérence. C'est pour ça qu'il a abandonné l'historique pour se tourner vers le monde qu'il a créé, l'agiborien. Donc, s'il y avait deux tomes à retenir, je pense que c'est si vous voulez découvrir le personnage de Conan, les Clous Rouges dans un premier temps, et si vous voulez autre chose que Conan, c'est les Dieux de Balsagoth. Je pense que c'est voilà, les deux tomes à lire en priorité et qui détermineront si vous aimez ou non le style howardien.
J'ai pas parlé rapidement, les dieux de Malsagoth, on suit, il me semble, un groupe de mercenaires de diverses origines qui vont s'échouer, rencontrer une civilisation perdue en plein déclin. On sait pas trop si c'est Atlantide ou quoi, mais ça se situe dans les Caraïbes. Et en gros, il y a les sauvages locaux qui sont en train d'achever cette civilisation, qui va essayer de se sauver en recrutant les mercenaires anglo-saxons vikings qui viennent de s'échouer sur ces côtes. Donc voilà, c'est pour vous voilà, poser les bases. Donc comme je disais, les clous rouges ou Balsagoth, pour démarrer, c'est très très bien. Donc c'était des conseils de lecture de Diderlore. J'aurais peut-être dû vous les donner avant les fêtes. Peut-être qu'on n'avait plus de sous pour acheter des livres, mais quand on aime, on ne compte pas. Et sur ce, à la prochaine.